Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 3 du pass de combat de la saison 5. Alors tout simplement, dans ce tuto je vais tout simplement vous montrer l'emplacement de l'étoile secret qui est de suivre la carte trésor trouvée à Flush Factory. Donc je vais tout simplement aller à Flush Factory trouver la carte trésor et puis après je vous montrerai l'emplacement de l'étoile secrète. Alors c'est parti. Ah c'est bon, j'ai enfin trouvé la carte au trésor qui se trouvait à Flush Factory. Donc comme vous pouvez le voir, elle se trouve près du hangar à gauche. Donc voilà, juste ici, où il y avait l'ancienne boîte de disco. Et elle se trouve juste là. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer tout simplement qu'il y a une maison avec une sorte de pont, comme ça en bois. Alors un conteneur et une autre petite maison niche comme ça. C'est sur une montagne. Donc... moi, je sais où c'est exactement. C'est près de Fatal Field. Donc, c'est sur cette montagne-là. Donc là, il y a la maison, il y a le container, il y a une autre petite maison niche là, juste là. Il y a le truc en bois juste ici. Et l'étoile se trouve ici. Donc, ils ont mis un X juste ici, donc à côté de la route. Donc là, je vais tout simplement y aller et vous montrer l'emplacement de l'étoile secrète. Donc, il faut savoir aussi que dans la semaine 3, il y a un défi qui est d'utiliser un tremplin. J'ai justement un tremplin, donc je vais pouvoir me faire deux défis en un. Il faut savoir aussi que l'étoile secrète de la semaine 3, donc, vous donne environ 10 étoiles. Voilà, il vous donne un palier complet. Donc, ok, je suis au max. Hop, je mets mon tremplin. Voilà. Et c'est parti. Donc là, utiliser un tremplin 1 sur 1, c'est validé. Maintenant, je vais juste aller chercher l'étoile secrète. Et l'étoile secrète me donnera un palier en plus. Donc voilà, franchement, c'est assez facilement et assez rapide si vous voulez. Un palier easy et, ou des XP si bien sûr vous avez les 100 paliers. Donc normalement, l'étoile secrète, elle se trouve sur la tâche brune, je pense. On va bien voir de toute façon. Voilà, en plein milieu de la tâche brune, voilà. Donc là, je vais faire une petite danse pour ma petite miniature. On va faire... voilà, courbette. Voilà, on va faire la courbette, c'est très bien. Attends, on la refait. Voilà. Attends, on la refait encore une dernière fois. Voilà, là, c'est une belle miniature. Ok, nice. Après, vous devez la prendre. Et là, vous devez vous suicider ou soit mourir ou soit finir top 1, top 2, top 3 pour valider la partie. Parce que si vous faites ça, quitter la partie, ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas validé. Donc voilà, faites bien attention. Là, je vais quand même essayer de faire un top 1 comme il reste que 16 joueurs. Je suis quand même bien... je suis pas trop bien l'autre, mais voilà. Je pense qu'il y a moyen que je fasse un petit top 1. Donc, je vous tiens au courant si j'y arrive. Et bim! Et voilà, un de plus. Donc, les deux sont en face de moi, ok. Donc, il est plus que tout seul, ok. Par contre, j'ai pas la zone... il a la zone, je lui ai mis une balle de snipe tout à l'heure. Allez, monte ta gueule. Ah, il s'est pris du shield. Ça va être compliqué, moi j'en ai pas. Je le vois, il est juste là. Ok. Il a pris un kit de chouin. Ça va être complexe. Il a plus de vie que moi, je peux pas le rush. Trop compliqué. T'as pris shoot, j'ai raté. Et je dois bouger. Je dois bouger dans la zone. Ok, c'est parti. Ça va être compliqué quand même. Ok, je le vois, il monte. Je croyais qu'il m'a pas vu lui. Je vais me servir du truc là. Merde. Il est déjà en train de monter. Je l'ai touché plusieurs fois.
Ok, il me rush. Vas-y, on la harcèle, on la harcèle. Ok, on recharge. Et bim! Je lui ai fait tellement de pression, vous voyez? Je lui ai mis de la pression, les frères. Et il a fait quoi? Il s'est suicidé, les frères. Il s'est suicidé, c'était trop épique. Ah, franchement, un bon moment, une belle partie. Un top 1. Easy. Alors je tiens à remercier Dead Jedi's et la M Victory Team parce qu'ils m'entraînent et je sens mon niveau un petit peu augmenter ces temps-ci, donc ça fait plaisir. Enfin bref, ça m'a fait plaisir, donc voilà. J'ai eu combien de dégâts subis? Ouais, 220 quand même. Mais j'en ai mis dégâts aux joueurs 1174 quand même. Hein. Ça c'est pas mal du tout. J'ai mis pas mal de snipe vers la fin. Enfin bref, donc. Là, je vais vous montrer que le défi a bien été validé hein, pour l'étoile secrète de la semaine 3. Alors, c'est pas l'étoile secrète de la roi de trip. La roi de trip, de toute façon, je vais le mettre dans le titre. Et ce sera dès que j'ai fini tous les défis, je vous présenterai le roi de trip. Alors, dure. C'est un truc en Belgique, mais il manque le O. Donc, dommage. Alors, 5% XP. Ok, nice. Donc, défi. Semaine 3. Alors, blesser des adversaires en une seule partie validée. MDR, j'ai fait 3 défis en 1. Alors, suivre la carte au trésor à Flush, trouver à Flush Factory, validé. Donc ça, c'était le tuto. Alors, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. C'était Swakolo Mike et ciao. Peace.